Bonjour, bienvenue sur cette chaîne où aujourd'hui on comptabilise 86 abonnés. Merci de nous avoir rejoints sur cette chaîne en amateur de parfums. Du coup, il y a 15 jours entre ma dernière vidéo et celle-ci. J'espère que vous vous portez tous bien. Et aujourd'hui, je vous fais du coup une vidéo sur mon avis sur les parfums de la gamme Avon. Avon, alors du coup, oui, pendant ces 15 jours, j'ai rencontré un distributeur et une distributrice de Avon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la génération de nos mères et de nos grands-mères, du coup, c'était le VDI de la parfumerie, un des premiers. Récemment, avec la crise qui s'est passée, du coup, les différents entrepôts en métropole sont fermés. Ils tentent aujourd'hui de revenir, du coup, sur le continent, du coup sur le pays et sur l'Europe. Et du coup, c'est une société allemande. Donc du coup, oui, vous qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être vu des distributeurs vous présenter du coup un catalogue qui n'est pas traduit en français d'ailleurs. Je crois qu'il est justement traduit uniquement en français en digital. Donc voilà. Donc, je voulais du coup vous donner des petites astuces d'être sûr en fait comment choisir et ben du coup des valeurs sûres de cette gamme. Je vous précise que cette vidéo, les valeurs sûres que je donne, c'est mon avis et mon avis seulement. Du coup, vous aurez bien compris que les fragrances que j'ai choisies sont des fragrances que je connaissais d'il y a à peu près 10 ans, je crois. Mais je vous donnerai aussi des petites astuces comment faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur mon avis général sur la société Avon, leur kit d'échantillon est très minime. Je vous montrerai une photo du kit d'échantillon actuellement, qui est l'équivalent aujourd'hui d'un portefeuille homme avec quelques échantillons. L'échantillon, du coup, se présente comme ceci. C'est une allumette. Il n'y a pas de pulvérisateur. Donc, du coup, vous connaissez déjà mon avis sur ce style d'échantillon. Voilà, il faut aimer. Par contre, quand vous le testez avec, bien sûr, l'allumette, c'est-à-dire la petite, comme un petit pinceau, et ben, du coup, vous avez une dose généreuse qui peut faire l'objet d'un test sur la journée et de voir comment son évolution olfactive peut évoluer. Donc ça, c'est déjà par rapport aux allumettes. Donc bien sûr, pour les distributeurs et les distributrices qui ont investi, eux, sur un kit d'échantillons, vous pourront vous proposer du coup de sentir au préalable les parfums du catalogue. Et encore, ce sera bien sûr une sélection que eux, ils auraient choisie. Ensuite, vous avez à l'intérieur du catalogue qui se présente un peu comme ça, donc j'en ai gardé un du distributeur, vous avez ce qu'on appelle ici une touche de senteur où qu'il faut frotter et l'odeur de la fragrance va dégager. D'accord? Comme un peu une mouillette, hein, un bébé. Bon, là, c'est au catalogue et du coup, vous pouvez sentir la fragrance. Je vous rappelle bien sûr que en testant sur soi et sur l'effet d'un papier, les choses sont différentes. Vous avez compris que certaines fragrances n'ont pas la même évolution sur chaque type de peau et sur chaque personne. Donc voilà, n'hésitez pas à demander toujours d'essayer un échantillon, pardon. Voilà. Alors, une valeur sûre que je vous recommande chez Avon. Eh ben, je pense que tout le monde, enfin, pour ma part ou pour ceux qui connaissent Avon des débuts en France, etc., c'est le fameux Faraway. Faraway, donc, c'est un parfum pour vous, mesdames. Donc, là, c'est un 50 millilitres femme. C'est un oriental floral, donc voilà comment il se présente. Un magnifique flaconnage avec un petit pompon. On va dire que ça a été quand même travaillé avec un petit capuchon en plastique, un peu en forme de bonbon. Et du coup, un flacon comme ceci. Donc, je vous présente du coup Faraway. Vous aurez aussi, par exemple, alors n'hésitez pas, hein, si vous doutez de choisir un parfum que ben, il y aurait une autre évolution, vous avez la possibilité
de les commander en petits vapo-voyages. Donc, sur certaines gammes et sur certains parfums, ils sont disponibles. Donc, ça, c'est aussi une valeur sûre pour pas se tromper pour l'investissement d'un parfum de 50 millilitres et de 100 millilitres. En sachant que ce VDI, la gamme de prix, est entre 19 et 35 euros pour un parfum. Donc, ça reste toujours abordable, surtout en cette période d'inflation. Alors, dans du coup le Faraway, vous allez retrouver en note de tête de l'ylang-ylang, de la pêche, de la noix de coco et de l'orange. Donc là, vous allez retrouver bien sûr toutes ces notes de fruits. En note de cœur, vous allez retrouver du jasmin, de la fraise, de la violette, de la rose et de la cardamome. Et en note de fond, vous allez retrouver de la vanille, du bois de santal, du musc et de l'ambre. Donc voilà, vous êtes là sur une fragrance orientale, florale, et pour moi, et selon moi bien sûr, c'est une valeur sûre pour vous, mesdames. Il vous plaira, hein, en mode séduction totale sur du coup cette gamme de parfums. Ensuite, j'ai sélectionné un autre parfum femme. Alors lui, je ne l'ai pas sélectionné par du coup son évolution olfactive. C'est le Rare Flower Solar Narcisse. Donc voilà, donc du coup j'ai débouché avant de faire ma vidéo le parfum. Et du coup je voulais juste en fait vous présenter ce parfum pour vous montrer un peu l'implication du flaconnage de la gamme Avon. Alors vous avez en fait un flacon en mode un peu élégant. Le capuchon se présente, donc du coup c'est même pas un capuchon, c'est un cerclage avec un trou à l'intérieur qui forme comme un chapeau. Hein, et du coup, regardez, ça représente un petit peu l'élégance féminine avec ce flacon un petit peu teint en couleur or. Et du coup, ça donne ce côté élégant, chic. Alors, cette fragrance, pour moi, c'est un peu la fragrance de la sortie. Hein, donc là, on est sur un floral assez posé, un petit peu plus jeune, hein, et du coup un petit peu plus, on va dire, accessible à la catégorie jeune. Voilà, il est là où vous retrouvez aussi des notes un petit peu poudrées. Du coup, voilà, avec un mélange beaucoup sur les notes de tête et les notes de cœur de composition florale. Donc voilà, je vous ai sélectionné du coup en présentation ce parfum aussi. Rare Flower Narcissus d'Avon. Après, je ne sais pas si par rapport à son appellation, il fait similitude à un parfum qui est connu. À vous, du coup, de me dire en commentaire si vous le connaissez, si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez déjà acheté, vous, qu'est-ce qui vous inspire? En tous les cas, la recherche au niveau du flaconnage et de sa composition en mélange poudré et floral, c'est une des valeurs sûres que je peux vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Nous changeons du coup de catégorie et je vous présente Full Speed. Donc là, on est sur un parfum masculin. Du coup, vous aurez compris Full Speed sportif. Donc pour vous, messieurs, alors pourquoi j'ai choisi ce parfum en sachant qu'il y a d'autres parfums hommes de valeur sûre, hein, mais je voulais en fait, bon, vous l'aurez bien compris, que le côté sport, hein, l'homme sportif, l'homme jeune, l'homme de toute catégorie, regardez, encore une fois, chez Avon, vous avez un flaconnage qui a été réfléchi, donc vous avez comme un étui qui se présente comme ça, avec le capuchon en fait en forme de pont. Et du coup, ça. Donc, je trouve ça bien réfléchi et assez, on va dire, jeune. Donc là, nous sommes sur un parfum qui est très sportif, qui est très frais, qui est très, avec des notes minérales. On retrouve aussi ce côté boisé. Hein, en second plan, mais ça reste le parfum qui rafraîchit, le parfum qui donne cette sensation avec ses notes de citron et de pamplemousse
Voilà, pour l'homme qui sort du sport ou qui part au sport, pour l'homme sportif, l'homme de ville, du coup les jeunes hommes. Donc pour moi, et du coup si vous ne connaissez pas la gamme Avon, et ben c'est une valeur sûre à prendre avec vos distributeurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai du coup voulu parler de cette société puisque vous êtes d'accord avec moi sur cette chaîne, on parle des parfums en général et d'être amateur sans faire de pub. Du coup, petit à petit, je pense que Avon va revenir du coup sur le continent français, sur le pays français. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous utilisez les produits Avon, du coup, je pense que vous le trouvez aussi sur le site Notino pour certaines références. J'avais vu, vous pouvez le trouver aussi sur des revendeurs qui vendent sur les plateformes comme Vinted et du coup aussi à domicile. Voilà, je fais du coup mes salutations parfumées à tous les nouveaux distributeurs et distributrices du groupe Avon en France et qui se lancent. Avec des outils du coup qui sont à convertir puisque moi quand j'ai été abordé par cette vendeuse du coup c'est vrai ça peine un petit peu, on nous présente un catalogue en allemand, on sait pas trop et du coup il faut vraiment connaître les produits. Voilà mon avis sur les parfums et du coup je vous donne mon avis et des valeurs sûres pour la gamme Avon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux laisser un commentaire, likez et n'hésitez pas de partager cette vidéo. Je vous fais de gros gros bisous parfumés.